qu'on était là, on venait visiter, on a découvert. Oh, mais non. Est-ce que vous voyez ou pas? Oh, donnez-nous un signe. Oh. Tout le monde a à côté de sa table de chevet un plateau de Ouija. Tout le monde. Alcool, religion, un stylo cassé. Tous les signes semblent indiquer un geek. Un miroir cassé apparemment à cause d'un coup de poing porté par un objet contondant. Mais ça ne compte quand même que pour un. Dès que quelqu'un en a sorti des vêtements. Ok, je vois. Ah, oh, I have to block it now. I go to the gym. Bah, des rétro ombres qui puent. Ok. Ces livres. Je ne prétends pas superstitieux, mais je n'aime pas du tout ces symboles et mots anciens. Ok. Good. Good. Enregistrement d'Isaac Farbe. Un enregistrement vocal de l'antiquaire Isaac Farbe. En date du 7 septembre. Erika. J'espère que c'est toi qui trouveras ça, ma fille. J'ai eu quelques problèmes. Des sortes de double espace entre le mot « quelque » et « problème ». Cauchemar ou de vision, je ne sais pas comment les appeler. Je suis épuisé. J'ai du mal à m'endormir et le médecin pense que je souffre de stress. Je soupçonne autre chose cependant. Cette maudite boîte. Sébastien, oui, tu dois trouver Usher. Sébastien Usher. Le professeur, mon ami, comme il le dit. Trouve-le et demande-lui comment il a résolu ce problème. Demande-lui s'il croyait également des choses. Demande-lui pourquoi il m'a abandonné comme ça. Demande-lui d'après la figure noire, ceux qui se traînent ne veulent pas la voir. Ils se traînent et le bruit qu'ils font. Non, ne lui demande pas, ne t'approche pas. Je ne peux pas dormir à cause de ce bruit, parce qu'ils m'entraînent aussi. Jusqu'au bout de la nuit, ils me prennent la figure noire, comme une insomnie. Je ne veux pas la voir non plus, la figure, s'il te plaît. Quoi que tu fasses, n'oublie pas la musique de la boîte. Ah ah. What's happening? Dans la queue. Il y a clairement des traces de brûlure. Autocombustion? Combustion spontanée? Mais si Farbe avait tenté de provoquer un incendie criminel, ce son qui fait de gauche à droite. Et elle va, la vieille, elle va être dans le couloir. Là maintenant, 3, 2, 1. Un désordre général. Des ombres qui puent. Oh non. Une télé allumée. Non. Oh non, nul. La télé allumée. Mets-toi dans la prise juste pour voir ce que ça fait. Ok, non mais rebranche. Attends, quoi? Si, je peux le rebrancher. Okay. Là, ok. Une ampoule qui émet de la lumière ultraviolette, très bien. Je pourrais me servir de la lumière noire pour rechercher des traces de sang. Bah, c'est une super idée, du coup. Ah ben, achète le même journal que moi. Quelle coïncidence, mon avion.
S'il était pas mort et disparu et mangé par une dimension parallèle, on serait vraiment poteau. Lettre numéro 3 de Sébastien Cher. Une lettre de Sébastien Cher, Cirque Frappeur, datée du 30 août 98. Cher Isaac, j'espère que vous vous sentez mieux. Ou au moins un peu plus calme. Je sais désormais qui a fabriqué la boîte, mais il est mort il y a des années. Son nom était Argos le Grand. The Great. Dès que j'en saurai plus, je vous le ferai savoir. Je crois que la clé, c'est de renvoyer la boîte. Si vous avez la liste de la vente aux enchères, où vous l'avez achetée, vous pourrez sûrement trouver son ancien propriétaire. Je crois que les choses se sont améliorées depuis que je vous ai renvoyé. Oui, j'en suis convaincu. J'espère que tout se passe bien, MDR. Un chandelier. Dans les films, c'est toujours l'arme du crime. Non, c'est la porte pour l'instant, l'arme du crime. Je n'en ai jamais vu utiliser pour tuer quelqu'un réellement. Non, mais la télé, je veux pas pour la télé. Oui. Oui. Une femme plutôt jolie sur les photos. Elle a clairement l'air heureuse. MDR est un saint. C'était plus fort que ce que j'imaginais. Il n'y a rien qui me plaît dans la situation. C'est un dos terreur. Des romans historiques, j'en ai lu assez célèbres pour mon enfance. Dans mon enfance, je compare maintenant les divertissements plus légers. Genre Martine à la plage. Tout droit. Derrière moi, c'est possible. Hop. À droite. Negative. There's no way to hide. Bon, je suis foutu. Là ici. Là ici. Ça là. Des muscles au niveau de mes fesses que je ne savais pas que ça existait. Ok. Police training didn't prepare me for this. Ok. Bah j'avais pas croisé moi non plus. Ok. Alors ça il faut qu'on le résolve. Peut-être qu'en le faisant tourner. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec les vents contraires et un anticyclone. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Comment on fait ça? Tout est parfait, tout est bon. Good. Clé d'Erika Farber. Et clé d'Erika Farber, c'est l'appartement. À l'étage. Vous vous rappelez? Le bâtiment auquel on avait accès. Avec toutes les portes qui étaient fermées. Là, de souvenir, il y avait quelqu'un de chelou là-dedans. Trouvez l'endroit. Rien d'utile sur le tableau d'affichage, comme dans ma vie. Et des notes si anciennes que l'encre s'est estompée. Ces bidons d'essence constituent une menace pour la sécurité des résidents. Cet endroit est une zone complètement sinistrée, comme ma vie.
La corbeille à papier pue la pourriture et on dirait qu'il n'y a pas de mise à sac depuis des années, comme ma vie. Vraiment une vie nulle, quoi, comme flic. Non. Il y a un cadenas, je dois trouver la clé, comme ma vie. Ouais. Verrouillé, si seulement j'avais l'exécuteur. Oh, l'angle de vue, mais... Ça, c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma. Ils ont retiré la manivelle. Attends, j'ai pas ça? Mais fais pas ça! Fais pas ça! T'avais juste à ouvrir une fenêtre! My report's going to be quite colorful. C'est pas le gars qui fouillait? Agent numéro 09534. Il va se passer un truc nul. C'est pas pour mettre une lampe à torche carrée. Va. Il a. Ah non. Une torche avec une attache. Robuste et efficace. J'adore ce genre de torche. Mais je vois bien qu'il manque l'ampoule. L'ampoule pour voir toutes les traces de sang. Right. Ok. Des outils d'entretien de jardinage. Rien dont je pourrais avoir besoin. On va un cul dehors, j'y cache où. Right. Je veux sortir par là. Laisse passer un truc pas bien. Oh, je vous jure, j'ai pas envie. Je la sens complètement la tension là. Mm-mm. Et tout le bois qui plie. Non. Je vous jure, ça me. Je trouve ça hyper. Ouais. Hyper oppressant. Non. Mm-mm. Je me demande depuis combien de temps cette poubelle est là. C'est le seul truc que je trouve à dire. Non, ouais. Et vous là, tout le monde. Tout le monde, la planète tout entière du chat est en train de se dire qu'il va se passer un truc. I'm a police officer. Anyone in the house? À part Satan. Looks empty. I don't have a search warrant, but something tells me we're dealing with an emergency. Il y a un placard, il y a ces vestes véhiculent une image rebelle que je n'aime pas du tout. Ah, c'est hippie qui écoute de la musique trans. Erika, viens me voir quand tu liras ça. Je n'ai pas pu trouver le luminol. Je crois qu'il est dans le petit immeuble. Meuble, meuble.
mais tu as dû laisser la clé dans la poche d'un pantalon comme d'habitude. Quand tu la trouveras, prends du peroxyde d'hydrogène, rentre à la maison et mélange tout comme ceci. 200 ml de stabilisant, peu importe la quantité finale à l'arrivée. 1 ml de sulfoxyde de diméthyle et 2 ml de peroxyde d'hydrogène pour chaque milligramme de luminal. 50 ml d'eau distillée comme base et encore 50 ml si le mélange total plus d'un demi-litre. Quand tu as tout, mélange dans le luminol. Conversion. Peroxyde d'hydrogène, diméthyl sulfoxyde, stabilisateur au distillé. Si vous avez des problèmes, n'oubliez pas que les bouteilles A et B sont identiques et leurs bouchons aussi. Ok, c'est trop lourd. Album appartenant à la propriété Erika, je ferais mieux de pas envahir sa vie privée. S'il en reste quelque chose de sa vie. J'aime pas les couloirs comme ça. La fiche de film, je crois que je suis pas un grand amateur de film, mais si j'adore les comédies, MDR. Des enseignements d'exposition provenant d'un peu partout dans le monde. Peut-être que la propriété est en route vers l'une d'elles. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune trace. Je pense qu'au bout d'un moment, il va être menuisier. On va faire les portes les unes après les autres. Ferme la clé, je suppose qu'il y a des médicaments dedans. De molette. Quoi? J'ai laissé la molette sur la fenêtre. Oh non, d'une pipe là. Oh. Incroyable. Un coup de crosse. Fais un truc, je sais pas. Des parfums généralement utilisés par les jeunes filles. C'est vrai qu'il n'y a que les garçons qui ne se parfument pas. Parce que, en plus, c'est du parfum coloré, parce que les filles mettent du parfum et que ce sont des bouteilles de couleur. Et que, voilà, parce que ce sont des filles. Compris. C'est quoi ce du bruit là? Un matelas sur le sol, je suis vraiment de plus en plus déphasage avec le monde actuel. Oh mon dieu! J'avais fait au commissariat pour savoir si c'est légal d'avoir un scorpion. Par contre, avoir une créature dimensionnelle incarnée à travers les ombres qui vous arrache la peau et vous dévore le cœur et vous emmène dans un endroit de souffrance d'où vous ne revenez pas, ça, on va pas vérifier si c'est légal ou pas parce que on sait que c'est ok. On va continuer à enquêter, mais on va pas s'inquiéter parce que ça, c'est quand même un scorpion. Un scorpion. Ça pique, pique, pique. Attention. Oh! Choupette! Mon choupette. Non! Je sais pas, c'était quoi la question? Mais non! J'ai fait un misclic, je savais pas c'était quoi la question. Si ça se trouve, heureusement que c'était pas par défaut sur oui. Genre, est-ce que... Ah! Mais non! Mais ça sent complètement la mort, cette histoire! Tu mets pas ta main dedans.
Pas parce que la musique elle fait semblant d'être tranquille que... On regarde certains de ses titres, je dirais que certains de ses livres sont des histoires d'horreur. Comme ma vie. Mais 100% elle empoisonne. 100% t'es ready's dead. Attends, puis en plus t'as vu comment elle se déplace. Ne donnez pas de drogue à vos araignées. Ne donnez pas de substance à vos veuves noires ou vos araignées Goliath. Ne faites pas ça. Une tisane, par exemple. Une tisane, une infusion. Tu mets ça avec un petit voile, comme ça par-dessus. Tu laisses tout prendre un peu de vapeur et tout. Avec, je sais pas, un peu de tilleul qui rentre dans le vivarium. Mais non, ne laissez pas, s'il vous plaît, des substances adrénalisantes sur ces petites babettes. Comment je sais ça ? C'est un copain qui m'a raconté. Ok. Oh. Je prends un truc sur un lit. Un fantôme, un monstre, un démon, ma propre folie. Je dois quitter cet endroit chez moi dans les murs. De partout dans le bâtiment que j'aille, les photographies, elles ne peuvent pas être réelles. Est-ce que c'est moi? Où est Simon? Je ne peux plus rentrer. C'est quelque chose de sous-sol? Montre-les à Erika quand elle reviendra. Ne pas descendre les escaliers. Giga Chouettos, Chouettax. Oh, 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 attends. Il y a un tas de clés, certaines pourraient m'être utiles. Ben ouais, mais grave! Quoi? Non. J'ai envie de le taper. J'ai... Mec, t'as un démon qui vient d'une dimension de souffrance, qui vient de t'écarteler tout ce qui est écartelable. Et hop, hop, hop. Non, je quand même pas. Attends, ce serait pas très correct de prendre des clés pour l'enquête. C'est pas très légal. C'est pas très ok, hein. Non, hein. C'est pas très... Je me sens pas à l'aise avec cette histoire de clé qui ne m'appartient pas, que nenni. Je suis agent de la paix. Avant tout. Des cigarettes, du parfum, une télévision, les enfants aujourd'hui mènent vraiment des vies très perturbées. Non, il va y avoir un truc dehors, ça m'énerve. Calme. Ok. Right. Je reviens pas que je fouille la propriété de quelqu'un sans un mandat. Oh oui, je suis vraiment un criminel. Oh non. Non, il va se passer un truc. Elle n'est pas ici. Nom de Zeus. Good. Du linge sale. Qu'est-ce qu'il fait avec les chaussettes de la dame? Aïe, aïe. Voilà, par exemple, tu vois. C'est ouf, il y a des vêtements de gens sans qu'ils soient nus. Peut-être une clé auprès du bureau de concierge. À voir. Good. J'ai l'impression d'être un voleur. Voleur. Vaut rien. God damn. Shit. Et c'est là où tu dis que c'est un truc flippant parce que la caméra ne montrait rien d'autre que... La faut écouter.
sais pas parce que c'est World of War. Un gramophone. Mon propriétaire en avait un que je soupçonne d'avoir été volé. Oh mon dieu! J'espère qu'il n'avait pas de scorpion. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont passionnées par des films aussi violents. C'est parce que ce sont des filles et parce qu'elles mettent du parfum, parce que ce sont des filles et qu'elles jouent aux Sims. Des romans de mystère, d'horreur. Je ne comprends pas. Et parce qu'elle est bon. Et gothique. J'ai aucun endroit où me cacher. J'ai aucun endroit où me cacher là. Un vieux projecteur de film. Là, s'il se passe un truc, avec la... c'est la fin d'Arico pour moi. Je suis protégé par la guitare. Ces notes semblent d'ordre privé. Mm-hmm. Oh. Il va se passer. Non, non. Un jeu d'arcade, mon dieu. C'est des choses de jeunes. De hippies. Un disque tourne. Ton disque. La musique grinçante. Ah, j'ai envie d'une pizza maintenant. C'est pas une table pour se cacher ça. Le fruit a l'air plus que mûr. Mur plus. Un trophée provenant d'une arcade. Oh mon dieu, les jeunes y passent des journées entières à fumer et boire de véritables accros avec un Z majuscule aux écrans. Allez jeunes, c'est dégoûtant les jeunes. S'ils commençaient par être moins jeunes, ils seraient moins dégoûtants. Good. Ils écoutent de la musique, ils font du jeu vidéo. Eh. Et ils font du meuporg. L'évier déborde de vaisselle sale. Tout ceci est assez dans la salle lourde. Mais c'est normal, c'est un jeune qui fait ça. Les jeunes sont forcément un peu insalubres. Des épices et ustensiles de cuisine ordinaire. Un beau jeu de couteau, ils ont l'air propres. Bah oui, parce que c'est un jeune, il fait pas de cuisine, il prend la pizza. C'est un jeune. Il est certainement absent. Car le puanteur de ses pizzas est insupportable, parce que c'est un jeune. Il fait pas de ménage. Il va se passer un truc, on le sait! Une paire de collants. Oh! Petite clé trouvée parmi les vêtements d'Erika Farber. Monsieur le policier, est-ce que vous pouvez rendre ces chaussures, s'il vous plaît? Ces talons ne vous iront pas. Ah ouais, qu'est-ce que vous en savez? est-ce que ça va être ok si je sors de là? Non. C'est un truc dégueulito là. Luminol encore scellé. Ouverte 150 mg de luminol. C'est largement suffisant. En votre fine bouteille de taille industrielle beaucoup plus grosse que celle qui se trouve dans notre labo médico, les gars. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a trouvé plein d'indices là. Et généralement, on est censé imploser là. Là, c'est l'implosion. On a tellement d'indices là. Il se passe tellement de trucs. C'était là. Bien là. Je sens qu'on est pas mal. Fin de l'enquête. Et des battements de mon cœur.
aussi qui prend la pose sur une porte ouverte. Qui fait ça? Des produits chimiques pour développer des photos de commissariat, on en trouve beaucoup de sauts. Ah mec, vas-y, arrête de te la comparer là, Sandek. Déjà, survie, déjà, on en discute, d'accord? Arrête de renifler les vêtements des gens qui sont pas là, on en discute. Beaucoup de sauts remplis de ce genre de choses. Beaucoup de connaissances. Wouah! Prenez la pause! Oh, on va te faire ça, oh mec. Là, ce qui pourrait me trigger, ce qui pourrait me faire bader, c'est qu'il y ait du mouvement sur les photos. Non mais si les photos bougent, je m'accroche à une brouette. Je n'aime pas l'ambiance ici. Et je ne vois pas de signe d'activité illégale. Alors que... Ok! Ça va être relou. De la chimie. Alors, ça part du principe qu'on a tout, hein, du coup. Ouais, moi j'ai fait science et technique de labo. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun labo avec une installation comme ça. Même des labos d'amateurs. Quoi. Déjà, on va voir. On va voir ce que ça fait. Bien faire. Tout vider, je vais voir si je vérifie si tout explose. Avec un peu de chance, si je vis tout et que j'ai le bon dosage, en activant, tout pâté de maison, il explose. Attention. Vérifiez. Ça veut dire ça marche pas? Tout tenté. Alors, bon bah ok, on va réfléchir, ça me saoule. A et B sont identiques. En effet. Donc il faut compter les au son. Faudra le refaire, je pense. Le A et B sont les mêmes blocs, donc il faudra compter là-dessus. 150 plus, on avait mis quoi? Est-ce qu'on dépasse plus d'un millilitre? On dépasse plus d'un millilitre, donc il nous faut encore 50 d'eau distillée. Vous savez, il y a un monde où on a réussi en first try le B. Hein. Il y a un monde où ça passe. Science et technique de laboratoire à l'une des plus grandes écoles de chimie de Lyon. Fallait que ça serve un jour. Et je n'ai pas fait que du GDR en perme. Et en cours de français, en cours de maths, en cours de chimie. Un jour, j'ai calculé une mole. Et même deux, et même des demi. Parfait, la police scientifique peut dire ce qu'elle veut. Mais même un tic comme moi peut faire leur boulot. Une œuvre a été correctement activée. Ils ne me croiront pas quand je leur parlerai du laboratoire. Excusez-moi, je craque. Excusez-moi, je craque. Le luminol a été correctement activé.
Ils ne me croiront pas quand je leur en parlerai au laboratoire de police. Alors qu'une créature dimensionnelle qui sort des ténèbres avec des milliards de mains qui vient arracher ton âme, dévorer tes os et sucer ton cœur, ça, ça, ils me croiront. Ça, ils me croiront. Mais quand je leur dirai que je connais la recette du beurre de micelle, alors là, les gars, vous me prenez pour qui? J'ai pas eu 4 à l'examen pour rien. Mais on l'a retrouvé. C'est le blanc. C'est le... On l'a retrouvé, le blanc, dans sa meilleure enquête. René le blanc. Wow. Un petit cheat radioactif. J'ai tellement doué que ça coule. Ça suinte de partout. Le mec... Ah, je crois que j'ai réussi à monter une... un produit hautement toxique et nucléaire. Le mec, il prend le bassin, il cale comme ça sur l'articulation du genou. C'est pour voir les traces de sang, exactement. Je veux relancer une partie de Hooked on You. Ça a l'air beaucoup plus sain. Il n'a pas pris une photo d'une salle de bain avec les rideaux de douche de ses mains. C'est bon, c'est assez près là? Rien ne m'intéresse ici. Mais pour enquêter non plus, mais c'est pas pour ça qu'on vient de casser les pieds. What? On dirait qu'il y a une porte n'a pas visitée. Ah mais totalement. Là, là, là ici. Affaires reprennent. Il y a un livre de recettes latino-américaines. Je me demande si elles sont aussi bonnes que celles de ma grand-mère. Mec, tu as failli mourir 8 fois! Un bric-à-brac où tout est empilé. Tout a l'air propre. C'est totalement... Le bruit blanc, c'est totalement dans la chambre. Cafetière. C'est totalement l'ambiance, en fait. Ah, good. Yes! Excusez-moi. Alors. Chère fille,
J'ai vachement galéré pour trouver le frigo. Mais j'y suis parvenu. Désormais, je vais pouvoir t'écrire et te rédiger en vieil araméen une énigme afin que tu puisses trouver tes clés. Celles sur la colonne de droite sont de vieilles clés. Je les garde juste au cas où. Les clés en métal coloré sont pour la porte de sécurité du... Je m'en fiche, on va aller voir là-bas. De la nourriture pour animaux. Ne pas mourir! Ne pas mourir! Boîte de cafards morts. Vous savez, moi, quand j'habitais au Maroc, je les achetais pas. L'étiquette de la boîte indique qu'il s'agit de nourriture pour animaux. Oh, tous les enfants ne sont pas des animaux. Certains sont mal éduqués. Quel genre d'animal de compagnie il s'agit exactement? Ok, clope, cendrier est rempli à ras-bord. Pourtant, il semble y avoir personne depuis longtemps. Ok. Quatre droit, placard. Elle a plus de guitare d'un seul coup, hein? Ils sont où les hippies? Attends, vous savez quoi? Si c'est comme tous les autres, à mon avis, tu dois pouvoir accéder à... Voilà! Il évolue, Maillard! Il évolue! Retenez. Tout à droite, on dégage. Clé en métal coloré. On dégage. Métal coloré. Ok. Alors qu'il aurait pu juste... À mon avis, c'est pas mon papa qui me donnait liste de courses pour acheter de quoi faire des crêpes. Parce qu'à mon avis, il aurait dit oui, alors si tu vas à Brico Dépôt voir les visseuses des visseuses, je n'utilise pas pour ça pour les crêpes. Si tu te rends à Botanique au rayon jardinage, je ne prends pas de tondeuse. Si tu te rends à Ikea, tu vois, et que tu vois, il y a du ciment. Bah, je l'utilise pas non plus pour ça sur 5 pages. Tu vois. J'ai une idée. On va mettre un ace sur chaque clé qu'on doit pas prendre. Voilà. Là, par exemple, là et là. Ça, c'est non. Il a dit les clés en métal coloré, c'est non non plus. Donc, c'est ça, ça. 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 On est en train de résoudre une enquête à base de Ace. Et tout le monde avec moi, on est tous là en mode... Ça tombe sous le sens. C'est ça qui est formidable! C'est ça qui est incroyable! Je fonctionne par logique, en fait, de... En fait, ce qui marche, c'est les familles, en fait. C'est-à-dire que ça fonctionne par famille. Ouais, celle-là, je changerais presque celle-là. Hein, moi, si ça marche pas, je dégage ça. Parce que ça me fait trop penser à la dernière, là. De celle-là. Tout le reste de l'enquête, on va le faire avec ce tableau, je propose. Je propose qu'on... Je propose... Je sais pas comment font les autres pour résoudre l'enquête sans Ace pour éliminer. Ok. Me donne des frissons. Bah, toi aussi, t'as lu la modération. Ouais.
jeton coltard en or, un jeton de métal de couleur or pour les machines à coltard. J'en avais, il y en avait une deuxième que j'avais trouvée à un moment donné. Non, les jetons. Attends. Ah ouais, peut-être que le jeton était dans la cour. Au niveau du barbecue. T'es en métal hein. Mais grave! Un autre jeton de coltard. Et là, on n'a pas eu de... On l'avait fait la première fois. GG, first try. La première fois, on avait deux pièces. C'est la première fois qu'on a trois pièces. Là, qu'on s'explique un peu le truc. On a trois pièces. Trois clés. On arrive pour la première fois aussi loin du game. What? Ok. On va y mettre des pièces. Attention. Ok. Message est tombé, voyons quel genre de bêtises il raconte. Une prédiction de la machine à coltard. Jouer et gagner, jouer et perdre, des doutes foncés. Un message est tombé, voyons quel genre de bêtises il raconte. Une prédiction. Je vois votre avenir. Qu'est-ce que je vois? Quelque chose qui ne devrait pas être là. Ok. C'est la première fois qu'il n'y a pas de bruit, là. C'est la première fois qu'il n'y a pas de bruit, les gars. Le compteur d'eau et de gaz me sont inutiles pour l'instant. Ah, t'as vu l'inflation ? Un jeton de coltard. Un jeton en métal. On a toutes les pièces. Quatrième. Genre en jeton de métal. On a une quatrième pièce. Et Fizz, mettez la langue sur l'électricité. Bien sûr, ne mettez pas. Bien sûr, votre langue ne l'est prise. Je veux pas ça. Petit conseil d'amis. Ah ouais, si ça se trouve, les pièces débloquent des lieux. J'avais pas fait le rapprochement, j'y avais pas pensé. Genre, si tu prends les prédictions, ça referme des lieux maudits. Enfin, ça les rend accessibles. Mais ouais, c'est pas bête. Ah mais c'est du génie comme gameplay. Vient de perdre une dent. Devrais-je échanger mon objet de collection contre la dent de sagesse de Coltard?
Non, mais c'est bien pensé, en fait. C'est bien pensé. Bon, l'argument le plus pertinent que j'ai pu voir dans le chat, c'est est-ce que ça a servi jusqu'à maintenant le flingue ? Non. Le but du jeu, c'est de résoudre une enquête. Dent de sagesse. Succès déverrouillé, la fée des dents. Objet sélectionné, la dent cassée d'une voyante. Ok. Pfff. La fin est toute proche là. La fin de l'épisode 2. Je sais pas, je le sens comme ça. Je vous jure que je le sens comme ça. Allez, c'est parti. Qui allait sortir sa dent en disant freeze. I know it's a bit outside my area of expertise, but if the forensic team can do it. Ok. Ça, c'est l'air non, hein. Je peux plus aller voir. J'ai pas envie d'ouvrir la porte là, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors, je vais raconter cette histoire de luminolocologue. Ok, donc. On est d'accord que... Oh. Je suis perdu là. À part faire ce que je suis en train de faire là et continuer tout droit.
foutu. Ah. Hyper angoissant, c'est que tu connais pas la distance. Tu connais pas la distance entre l'ombre et la proie. Dis-moi que t'as encore du pchit-pchit. Raconterai ce que j'ai fait avec le luminol, moi tout seul sans l'aide du labo. Personne ne me croira. Comme par hasard, un pied de biche. Pas suicidé, il se serait pas pendu. J'ai pas accès aux portes. Not my style to use this, but. Oh great God! Agent 113 Edge here. We've got a bat. Quelques indices subtils sont glissés. There was father. God. I don't even want to think about what must have happened in his final moments. As he was hanging from that noose,
With the bloody music box on the table next... I don't want to think about it, but somehow, very deep within me, I know the song was playing throughout his agony, stalking him to the very frontier between life and death. God. At least we had found the music box, and we knew where it came from. Le Grand Amesburg Auction, it said, on the list of product lots, alongside an address. According to Husha, things had improved after returning the box to Faba. So by returning it to its owner, perhaps we might be able to solve all this. It sounded unlikely, but considering my hallucinations, the things we found at the antique shop and Mr. Faba's terrible end, if it could all come to some good, we had to try it. Isolated far from the world, in a holiday manor that must be about 100 years old, the lady who owned the sinister box awaited us. For my little Ariadne read the engraving on the inside of the cover. Good. Good for her, then. I can't imagine an elderly woman living here. Some of the people from my group therapy, yes, perhaps, but... an elderly woman approaching the age of 90? I don't know. The papers from the auction stated that the owner had sold most of her furniture, but that she still lived here. Mr. Grant? Hello? This place gives me the creeps. Hello? Are you Miss Le Grant? Ariadne Le Grant? Amesburg. Pardon me? Le Grant Amesburg. It's hyphenated. Oh, well, my name is Daniel Neuer, and I work for a publishing firm. Through a series of chance occurrences, I found something I believe is yours. It seems crazy, but when you listen to it... That's its box? No, I think it belongs to you. On the cover, it says... I wasn't speaking to you. Thank you for bringing it back, Mr. Neuer. Have you listened to it? Yes. He has listened to it. Mais arrêtez! Il l'a écouté. Thanks for giving me a place to stay. I think the walls would come closing in on me if I were alone. It's no trouble, Dan. You're going to be paying for any pizza, though. Of course. You can sleep in your bed. I'll stay here on the couch. Thank you, Your Majesty. Et on jouera à Twister. Have a good rest, Sir Daniel. Dormez bien, dormez bien. Excellent, vous aussi. Hey, Lydia? Non, oh non. Oh non. Daniel, are you all right? J'ai vu ça. That had not been a nightmare. I was awake. For certain. It was a hallucination. A hallucination like those described by Faber in his letter. Shortly before hanging himself from a beam in his office. A hallucination. Or something worse. Much worse. Had it done any good to return the music box to its owner? Husha might have the answer, but his whereabouts was still unknown. And his trail seemed to have gone cold as the days passed by. Perhaps in his office, somewhere in his papers. Among the documents he was researching while delving into the box's origins. Maybe there would be some clue in there as to where he had gone or what he had done. Something that would help us to follow his footsteps. I had to find Sebastian Husha, but this time, my life depended on it. Et tous les pantalons que je porte.